entendu dans son plan que si moi je chasse Mie, quand nous sommes en train de chasser Yimi, Yimi qui? Ennemi, démon. Alléluia. Alors, il y a un autre texte que je vais compléter, je vais revenir sur ça après. Nous comprenons bien que quand tu es uni, quand nous sommes unis, on est plus puissant contre les diables. Voilà pourquoi il n'est pas étranger et il n'est pas bizarre que le diable soit la personne qui divise les gens. Il n'est pas aussi étranger dans ce monde, vous avez des gens qui ont lu le livre de Machiavel, le pouvoir du monde en Afrique, beaucoup de dictateurs aiment ce livre-là. Diviser pour mieux régner. Amen. Alors quand il y a cette stratégie qui est dans une église, c'est souvent l'esprit de Jézabel qui est derrière. Et c'est la mort. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu veut que les gens soient unis. Le texte de Zacharie, chapitre 16, je n'ai pas mentionné le texte, je vous ai mentionné la fois passée, dit que Dieu nous conduit par deux houlettes ou deux bâtons. Qui sont ces deux bâtons? La grâce et l'union. Alléluia. Alors quand les chrétiens sont unis, les chrétiens, c'est toi, chrétien, qui travaille pour l'unité. Si tu es quelqu'un qui garde la rancune pour chaque flèche qui vient sur toi, tu n'es pas qualifié pour le combat. Tu as besoin d'aller à l'infirmerie. Amen. Jusqu'à ce que tu sois guéri de ton amertume et tu vas faire le combat spirituel. N'allez pas vous attendez à on va s'accorder avec quelqu'un qui est rempli d'amertume, ça ne marche pas. L'accord spirituel, on va voir ça, on va voir le prier, d'accord. L'accord spirituel, c'est de cœur à cœur. Tu dois être sentir connecté avec la personne avec cœur. Alléluia. Et quand vous priez avec cet accord-là, vous voyez les miracles arriver. C'est quoi le texte de Matthieu 18, nous avons lu Jésus dit. Deux ou trois accords dans mon nom, je suis là, et quand vous vous accordez, demandez une chose tellement mon père qui a dit, cela vous sera accordé. Quand vous êtes au moins deux. Ça ne signifie pas que Dieu ne va répondre aux prières individuelles. Ça signifie que dans les prières d'union, qu'est-ce qui se passe dans la stratégie d'union? D'abord, vous vous êtes soumis l'un à l'autre, c'est-à-dire vous êtes un. Il n'y a pas, quand vous gagnez ces combats, vous savez que c'est Dieu qui vous les donne. Alléluia, il n'y a pas une occasion d'attribuer quelqu'un au pouvoir. Alléluia. Nous devons comprendre que quand Dieu dit quelque chose dans l'état d'Ecclésiaste, nous revenons sur ça. S'il tombe, l'un relève l'autre. Malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Bon, je vous ai montré au départ, ceux qui ont l'habitude de regarder les films des animaux à la télévision. National Geographic, vous allez voir que chercher un tout sur les lions, comment chasser les lions. Ou même tout, pas lions, même tout, même les guépards et tous les bêtes carnassiers là. Vous allez voir qu'ils isolent leur proie. Et des fois, comme les guépards, ils vont sortir la proie la plus faible. Amen. Satan, il va sortir la proie la plus faible pour l'enfoncer. Alléluia. Regardez même dans les gangs des riz, les gens méchants là, quelqu'un est déjà tombé, qu'est-ce qu'ils font? Même quand ils viennent bien encore, les donnent encore les coups. Ça, c'est la tragédie du diable. Il veut te casser directement. Or, Dieu veut que quand vous êtes à deux, tu vois ton ami tomber comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le portes au dos. Tu fais le commando, tu le tiens. Ta femme, tu la prends même si elle fait 100 kilos, tu la mets au dos et puis tu pars. Tu pars avec. Parce que Dieu te demandera des comptes. Femme, c'est Dieu qui sauvera ton mari. Marie, c'est Dieu qui sauvera ta femme. Amen. Toujours deux. Dans l'unité familiale ou ailleurs. Où les jeunes gens, quand vous allez sortir demain pour aller évangéliser, n'allez pas s'élever toujours à deux. Ou quand tu prends, parce que tu veux faire la prière de la délivrance, si tu ne veux pas appeler à ça, c'est mieux, et c'est tout à fait pensé que vous ayez à deux. Amen. J'ai vu des choses dans cette ville qui m'ont étonné. Et heureusement que j'étais préparé. Alléluia. À deux, tu es moins vulnérable. Alléluia. Mais c'est des choses des ouvriers. Il y en a qui ne sont jamais prêts. Il faut être prêt pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que c'est ça la stratégie du Seigneur. Et qu'il les a envoyés dans la Ligue 10 deux années quand ils sont allés. Ils ont vu, ils ont chassé les démons. Satan est tombé ici comme un éclair. Et le Seigneur a tressailli de joie. Amen. Le Seigneur est content quand on chasse les démons. Mais il veut que nous soyons contents parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. Mais il est content quand on chasse les démons. Parce que notre Seigneur n'aime pas les démons. C'est son ennemi. Alléluia.
Amen. Il y en a qui disent, mais est-ce qu'il y en a qui posent la question, c'est, on peut prier pour le diable pour que vous soyez sauvé. Mon frère, tu es tenté, tu vas mourir, tu vas faire l'enfer. Le diable, on ne peut même pas penser prier pour lui. Il est déjà jugé. On ne peut même pas avoir pitié de lui parce qu'il n'aura pas pitié de toi. Alléluia. Et regarde aujourd'hui, déjà, ils sont joués, c'est partout là. Mais cette année, c'est moins. Je suis sûr que cette année, c'est encore moins parce que je sens que c'est moins. Je ne suis pas dit qu'il y a. Cette année-là, c'est moins. De fur et à mesure, nous avons ça va être moins. Alléluia. Parce que je me rappelle, à l'époque, quand les autres sont venus avec des rues, là, vous voyez les maisons, vous ne trouvez pas une maison non décorée. Maintenant, je regarde, je trouve les maisons, il y a beaucoup de. Je vois ici, je vois aucune maison décorée en face de moi ici. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que un royaume divisé, c'est le principe que nous voyons, pas que nous voyons. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas gagner. Tu peux gagner certains combats seul, mais dans certains combats, tu as besoin d'être à deux ou à trois. C'est un combat, c'est l'Église qui doit gagner pour toi. C'est le corps de l'Église qui doit gagner pour toi. Parce que là, ils se sont réunis, ils sont 1000. La Bible dit qu'un chasse, c'est 1000. Deux chasses, combien hein? 10 000. Ah, si vous restez à 10, ils sont 5 000. Vous, à deux, vous allez chasser 10 000. Alléluia. Nous devons comprendre, c'est pourquoi, mes bien-aimés, ne nous laissons pas séduire par les balles, par les choses qui ne sont pas correctes. Le cœur doit être rempli d'amour et l'unité doit être franche. Alléluia. Si nous faisons la forme comme c'était dit, qu'est-ce que vous voulez? Donc, après, je vous vois dimanche, la venue à descendre dimanche. Aux histoires, là, entre vous, vous n'attendez pas. La Corée ne s'attend pas, ce n'est pas mon problème. Cette église, vous allez voir la perdition. Vous allez voir la perversion. Parce que la perversion n'a pas un frein. Les querelles n'ont pas de frein quand vous ne les arrêtez pas. C'est comme un gouffre que vous ouvrez. Ça va aller, ça va entamer tout le monde. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous attend de nous dans les combats spirituels de toujours s'accorder avec les gens qui sont comme vous et quand aller contre l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns et les autres. Alléluia. Je vais vous montrer un exemple comment la prière marche. Vous connaissez que Paul est le plus puissant, non? C'est que Paul a ressuscité les morts, n'est-ce pas? C'est que Paul a prié pour toutes sortes de maladies, n'est-ce pas? Paul, c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs apôtres. Pour moi, c'est mon meilleur apôtre. Ok? Parce qu'il n'a pas vu Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus aussi. Il a vu en vision. En vision! Et puis, il a cru. Tout ce qu'il a vu, c'est en vision. Le diable ne pouvait pas le faire douter. Et lui, il a vu en vision. Mais aujourd'hui, Dieu nous montre les visions. Nous continuons à douter. Alléluia. Alors, Paul des Philippiens, on va voir rapidement. C'est pourquoi même dans la famille, quand l'unité est là, vous gagnerez beaucoup de combats. J'ai remarqué même les non-croyants qui sont unis pendant les couples, qui sont en complicité, ils sont non-croyants. Mais ils sont unis. Ils ont plus de vie. Leur vie est plus tranquille que les croyants, que les chrétiens qui vont à l'église. Ils sont divisés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alléluia. Philippiens, amen. Chapitre 1. Amen. Je peux lire à partir du verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi dans la défense de l'évangile. C'est-à-dire que ceux-là, animés de l'esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit par apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ plutôt. Amen. Cela tournera à mon avis, grâce à quoi? À vos prières. Il était apôtre, il avait besoin des prières des gens que Christ a sauvés par lui. Amen. Parce que le Saint-Esprit a marché avec la prière. Alléluia. Donc quand tu as des pétitions que tu caches qui sont dures là, tu as le problème. Je comprends, certains sont réticents à cause de l'immaturité de beaucoup des églises aujourd'hui. Il y a vu quelqu'un dans cette ville-là. Quand on a cherché dans une église, un prédicateur est arrivé, on a prié pour la personne, et puis une voix a commencé à parler à la personne. Moi, on a vu ça plusieurs fois. Ça n'a jamais été un problème parce que nous savons que l'église, pour le ministère de Jésus, c'est chasser les démons.
l'église a pris cette personne-là qui était dehors. La personne cherchait et puis elle a eu mon numéro et la personne a appelé. Il dit non, moi je ne veux pas te chercher, moi je vais prier pour toi. Si j'ai pris à mon nom, oui, ça c'est différent. Si j'ai pris au nom de Jésus-Christ, tu vas te délivrer. La personne est venue un jour de nouvel an, on a prié pour elle, elle était libérée. On a continué à prier pendant 6 mois après, aujourd'hui, cette personne libérée. Alléluia. Alors, cette personne-là vient à prier pour moi. Tout le temps. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que ça se passe. Parce que l'écho de Christ est là pour prier ensemble, prier les uns les autres. Les combats spirituels, quand vous voyez votre frère dans les problèmes, votre frère avec une situation qui n'est pas normale, ne dites pas, nous habituons aux situations qui ne sont pas, qui relèvent pas de la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de demander la permission de ta soeur pour prier pour elle. Tu pries pour elle. Amen. Amen. Vous pouvez vous accorder à Dieu toi pour prier et gêner. Alléluia. Parce qu'il faut prendre des militaires qui sont blessés. Quand ils sont dans l'infirmerie, c'est là. Comme ils ont été blessés une fois, ils seront très vigilants. Ils auront une bonne tactique dans les combats. Parce qu'ils savent que là, il y a des mines. Je ne vais pas aller, je vais aller de l'autre côté. Amen. Bon, Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons qu'un royaume uni, un royaume divisé, c'est un royaume perdu. Une famille divisée, c'est une famille perdue. Une église divisée, c'est une église perdue. Je veux dire, vous ne gagnez pas les combats. Alléluia. Nous sommes plus habitués à la division comme un homme ou femme qu'être habitué à être unis. C'est dans la tribu de la chair. Il faut y travailler. Amen. Il faut y travailler. Par le pardon mutuel. Savoir demander pardon qu'on a blessé l'autre. Savoir subir. Savoir faire la volonté de Dieu, ce que j'appelle moi l'humilité. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons maintenant ce qu'on a vu dans l'Ecclésiaste chapitre 4 que si moi je suis chrétien, je mène mon combat. Il dit, je vais vous dire solennellement aujourd'hui. Je ne crois pas que le Saint-Esprit de Dieu vivant peut te dire 6 fois l'année, reste à la maison de venir par l'église, là l'église où Jésus-Christ est là. Parce que l'onction corporative à l'église est plus puissante que ce que tu fais prier à la maison. Je conseille tout le monde, même quand vous êtes en jeûne, venez à l'église. Ne dites pas à personne que vous gênez. Ne faites pas. Vous allez voir que moi, plus j'ai de mes délivrances par les frères, je les ai obtenus. J'étais en jeûne, je n'ai dit à personne que je vais à l'église, j'obtiens ma délivrance. Ou même j'étais en jeûne, je viens à l'église, j'ai une prophétie sur quelqu'un et ça délivre la vie de quelqu'un pour toujours. Parce que l'onction corporative est toujours plus grande, va vous aider plus. Amen. Le principe, c'est que je dis que 2 fils valent mieux, 3 fils valent mieux que 1 seul. Alléluia. Il faut faire extrêmement attention. Le diable est rusé. Le diable peut te faire perdre beaucoup de temps dans les prières qui semblent être des prières, mais qui ne sont pas exigées. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons que quand moi je vais m'associer.